fort de ces considérations, nous, les leaders de forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout, exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Mesdames et messieurs, les amis, comment nous y est? Dossier Haïti avec République Dominicaine, non? Continuez à faire en pile parole en pile. Jodia gagnant président dominicain Luis Abinader qui t'a parlé avec médias dominicains, avec d'autres médias également qui trouvaient en République dominicaine. Journaliste ont posé des questions sur le pays d'Haïti. Dans la conférence là, monsieur parlé sous position que les gagnants que la partagé là depuis un certain temps sous pays d'Haïti et lui parler sous décision que le prend concernant visa étudiant. Lui parler de Haïti. Qui ça le dit, mesdames et messieurs? Dans la vidéo, ça, nous prenons le poté détail pour nous. Claude Joseph, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, nous connaît qui. Est-ce que nous avons dit Claude Joseph à la base de toute situation? Non, moi, même pas pour elle comme ça. Bien, Luis Abinader, président dominicain, qui a comporté le temps coup, c'est elle qui gouvernait des îles. OK? Claude Joseph, recadre. OK? Claude Joseph, parle un petit tagbaron. Et lui fâché, lui prend décision, etc. Bon, Claude Joseph, lui-même tout, lui parle aujourd'hui. Claude Joseph, t'as répondu à une question magique 9. Lui bail détail. Et moi, pral invito. Tendez Claude Joseph parce que lui dit en pile parole. Il y a l'autre nouvelle toujours. Il y a l'autre nouvelle. Il y a un barbecue qui annonçait, par exemple, dans le jour pralvine là, G9 en famille avec allié Lio pral déloger Premier ministre Ariel Henry dans primature. Barbecue annoncé. Que G9, mesdames et messieurs, pral marcher sous Premier ministre Ariel Henry. Qui ça pral passer dans le pays d'Haïti? Non, jou pral vin la. Est-ce que G9 pral attaquer? Est-ce que Zé pral pété tout bon? Est-ce que cette fois-ci, ça pral passer à pral forcer la communauté internationale à réagir sous Haïti? Bagayou, yo semble à mangomé, mesdames et messieurs. Ba pas l'empile pendant m'a demandé nous pour nous partager vidéo ça et surtout abonnez-nous avec Unison nous sin pour qu'on fait. Entendez. Claude Joseph, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, qui t'a parlé, qui t'a bail détail sur qui ça a passé entre Haïti avec République Dominicaine, non moment n'a parlé là. Il retourner sur tweet que le faire et lui parler de Luis Abinader. Mesdames et messieurs, entendez Claude Joseph, n'a pas retourné. Tendez-le bien, partagez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Robinson. Bonjour, Robertson. Bonjour, Jean-Daniel Sénat, avec l'autre panéliste qui est sous panel-là. Et m'a salué également, et auditeur, et auditrice, émission, panel marché. Bien entendu, bonjour. Avant, bonjour, monsieur le ministre. Bien entendu, avant tweet, Dr. Joseph Fea. Te gagné Luis Abinader, le président dominicain, qui était déjà fait un tweet, nous songeons ça, pour lequel demande la communauté internationale à agir de façon urgente dans la situation nuit là en Haïti. Est-ce que, bon, monsieur le ministre, ça fait plus passer 3 mois là depuis la République dominicaine, la parler de situation nous. Est-ce que c'est tweet ça qui fait ou tweet Abinader là, président dominicain, qu'il faut réagir ou bien c'est l'ensemble? Bon, alors, on connaît. D'abord, me féliciter le président Abinader qui exprimait à plusieurs reprises
une manifestation de solidarité envers Haïti sur la scène internationale. Donc, les créer un groupe qui vient Panama, Costa Rica et Honduras. Et à plusieurs reprises, et bon, il n'est pas, il n'est même pas allé, si vous voulez. Et dans COP26 qu'a fait Glasgow, prétexte là, c'est Haïti. Donc, si Demassa est sincère, nous-mêmes en Haïti, nous devons féliciter ça, malgré, en principe, que nous-mêmes, nous pas jamais consulté dans la décision que le président Abinadel a prise. Pour Haïti. Bon, depuis démarche la sincère, nous devons féliciter. Et au nom du principe de réciprocité qui sont marqués dans la diplomatie, nous même tout, les gagnants problèmes en République dominicaine, nous exprimons solidarité. Nous. Par exemple, hier, gagnant un major de l'armée dominicaine qui est assassiné par une situation d'insécurité qui. Lui-même tout marqué République dominicaine dans une certaine mesure. Donc c'est normal pour nous-mêmes, comme chancelier, comme gouvernement, pour nous exprimer solidarité nous avec République dominicaine. Donc nous croyons que situation d'insécurité, ça, qui est incapable de dire sous deux pays, c'est une situation qui est un peu et embarrassante. Le niveau d'alerte pour Haïti en matière de situation d'insécurité, c'est 4. Le niveau d'alerte pour la République dominicaine, c'est 3. Donc, c'est extrêmement important pour deux gouvernements, deux pays sahéliens qui partagent l'île là ensemble, pour y travailler ensemble, n'est-ce pas, pour nous voir comment capable de penser et résoudre le problème de l'insécurité sur l'île. Mais en même temps, monsieur le ministre, au moins qu'on garde la réalité de la République, Haïti avec la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un pays où tout est situé sur deux bouts, la police, l'armée et la justice, et tout est situé sur deux bouts. Il y a un travail par rapport et à ça que tu as considéré une criminalité normale qui gagne dans pratiquement un pile pays. Mais l'on regarde Haïti, tout est situé sur un panneau, il y a été plate. Regardez le dernier jour, ça a été privé. Gang fait que groupe armé qui tout côté pratiquement dans le pays, fait que même distribution gaz nous pas capable faire dans notre pays, pas nous pas capable faire en Haïti. Gang armé fait que nous pas capable circuler. Est-ce que, bon, là, je vais donner un exemple, pas qu'être encore. Est-ce que vous avez une comparaison entre situation et sécurité entre deux pays, monsieur le ministre? Écoutez, parce que vous avez une différence, et ça ne veut pas dire pas une comparaison, au contraire, c'est parce que même on compare, ça faut qu'on établit une différence là. C'est ça que fait niveau d'insécurité par nous, c'est 4. Au point que gain un découragement même pour pas quitter des citoyens l'autre pays voyager en Haïti, mais yo également conseiller prudence à n'importe monde qui voyage en République dominicaine. Nous gain un pile problème, nous pas capable pas reconnaître ça, gain un pile problème, mais comme de là hier, gain un major de l'armée qui mourit parce qu'il a tenté de prendre téléphone en République dominicaine. C'est une situation embarrassante également pour le pays. Et à ce niveau, ce n'est pas critiquer pour nous critiquer la République dominicaine. C'est un appel pour nous faire à l'autorité. Et même tout pour nous voir comment nous sommes capables d'adresser le problème ça, pour permettre que les étrangers pour la République dominicaine puissent aller sans qu'ils cassent. Donc, à ce niveau, nous-mêmes comme de responsables également, qui a réfléchi à la question de sécurité par nous, et à même niveau que la République dominicaine a aidé nous, nous pensons que nous invités. Et c'est un appel qui fait avec un pile sagesse, inviter deux gouvernements à travailler ensemble. Puisque le président Abinadel lui montrait une velléité, une volonté pour la communauté internationale adresser le problème d'Haïti. Et je pensais que c'est intéressant. Mais ça qui n'est pas intéressant, c'est peut-être la façon que tout là est interprété. Moi-même, je fais référence avec une note du département d'État, n'est-ce pas? Et ça qui est vraiment encore pas intéressant, c'est la mesure qui va le prendre contre étudiants haïtiens en République dominicaine qui a payé hein, pour étudier. Pour y couper ou bien pour y suspendre.
et programme visa spécial. Il faut que ça clair son programme qui existait parce que étudiants ont été allés avec deux visas touristes, ils ont étudié. Soit visa a expiré ou était en République dominicaine. Donc maintenant, puisque Chancellerie et l'ambassade d'Haïti en République dominicaine ont engagé dans le processus ça pour aider les étudiants avec les autorités dominicaines, donc suite avec tout et tout que nous faisons, eh bien, il y a une décision qui prend pour suspendre le programme ça. Nous regrettons ça et nous remarquons et nous capables de dire clair que il n'est pas cadré décision ça avec l'expression de solidarité que Abinadel, président, a cherché et auprès de communauté internationale là pour Haïti. Donc, c'est fait un bagaille et dit un autre bagaille. Et c'est malheureux que c'est comme ça toute la interprétation et c'est décision ça, n'est pas proportionnelle du tout avec un tweet qui fait qui invitait le gouvernement pour travailler ensemble, pour adresser une série de problèmes que l'île là lui-même n'a fait face. Est-ce que vous considérez la décision de l'autorité dominicaine comme une sanction après déclaration, après tweet ou? Bon, écoutez, c'est vraiment malheureux. Ça fait nous penser. Il fait nous penser à Haïtiens et Haïtiennes qui ont quitté Haïti pour investir en République dominicaine, pour acheter caille, décider d'investir dans le pays. Donc, un bon matin, ils sont capables de dire, écoutez, vous avez vos biens en République dominicaine, mais vous ne pouvez désormais pas rentrer en République dominicaine. Vous n'aurez pas de visa. C'est pour moi-même, moi, interpréter ça comme ça. Et c'est regrettable que c'est ainsi, moi, penser que c'est une décision qui est précipitée. C'est pas une décision de sagesse. Et je pense que c'est un peu naïf. Donc, moi, crois que autorité de pays, a travaillé ensemble pour y résoudre problème ça. D'abord, une meilleure interprétation de la position de la chancellerie haïtienne par rapport à cette invitation à travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité sur l'île et ensuite adresser la question, cette question de visa pour les étudiants en République dominicaine. Parce que je ne pense pas que ça, c'est une décision qui réfléchit. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que Twitter a l'impacté opportun, l'est mal tombé, l'est mal formulé? Non, du tout, du tout. Écoutez, dans une dans un jour, non matinée, si vous voulez, ou bien non semaine, gagné plusieurs tweets que autorité République dominicaine a fait sur Haïti. Écoutez, sur la scène internationale. Donc, moi, je regrette que bon côté pas nous-mêmes, nous sommes pays. Écoutez, un chancelier doit toujours penser à Haïti, à la dimension de sa glorieuse histoire, de son histoire glorieuse. Donc, c'est-à-dire que un beau matin, l'île là, pas qu'à gagner un porte-parole, sans nous-mêmes, nous pas bail mandat sur ça. Donc, on comprend cette volonté. Et dire que l'île n'a pas un président. Le premier ministre qui est là, l'Ipajam prend parole pour les deux pays. Et il a une maîtrise des relations internationales très pointue et il est prudent, étant donné cette sensibilité qu'il y a au niveau de cette relation entre les deux pays, n'est-ce pas? Donc, et moi-même, c'est pas un tweet qui allait dans le sens t'as capable de dire parole pour qui ça t'a inopportun, de la mesure où c'est une invitation à travailler ensemble. Hein, c'est une perspective, c'est une dynamique de diplomatie insulaire. Donc, nous avons réfléchi ensemble, d'ailleurs, nous avons une commission mixte, nous avons un secrétariat qui toujours a réfléchi ensemble. Récemment, moi, en République dominicaine, et pour nous réfléchir ensemble sur ensemble de problèmes que deux pays ont fait face, par exemple, Rivière Massacre. C'est-à-dire que c'est normal que nous capables et toujours inviter les deux gouvernements à travailler ensemble. Monsieur le chancelier, allô? Bon, oui, Alphonse. Je m'entends très bien, je m'entends parti maintenant, mais comme non, m'a dérangé. Monsieur le chancelier,
Si bien comprendre, et nous gagnons un grief par rapport à des prises de position au nom de l'île de Monsieur Abinader, président de la République dominicaine, c'est ça? Non, nous pas gagnons grief et nous seulement et croyons que quand des décisions à prendre pour Haïti, par exemple, à l'initiative et du président Abinader, si c'est une expression sincère de solidarité que Haïti doit consulter. Donc, par exemple, l'initiative avec le Panama, Honduras et Costa Rica sur question Haïti, moi-même, personnellement, je n'ai pas été consulté. Le premier ministre non plus. Excusez-moi une seconde. Monsieur Abinader, Jean Abdia, président de la République dominicaine, depuis plusieurs semaines, et lancé alliance avec objectif, je cite, pour pacifier Haïti. Et il croit que la communauté internationale là doit rentrer dans ça. Maintenant, à partir du moment où yo même yo public dans met alliance sous pied, est-ce que ou pas de quoi le capi juste et puis efficace pour que le premier ministre haïtien, la chancellerie haïtienne, gagne des notes ou bien en prise de position et par rapport à ça. Je crois que nous avons fait un silence sur ça, si ma mémoire est bonne. Non, nous n'avons pas fait silence sur ça, au contraire. Moi-même personnellement, moi, je contacté et ministre Affaires étrangères, pays Sayo. D'abord, Roberto Alvarez, que je suis avec lui dans la mission diplomatique li, qui auprès de l'ONU, New York. Moi, fait un appel Zoom et téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères et de et Panama. Et puis, moi, également, l'autre ministre. Donc, de prise de position publique sur ça. Soit dans la presse ou bien une note qui dit mes positions chancelier haïtienne par rapport à ça. Bon écoutez, diplomatie et sur les négociations, il n'y a pas à aller d'abord public. Donc, nous parler parce que moi-même, moi j'étais curieux et ce n'est pas moi-même qui pouvais initier ça. Mais moi-même, j'étais curieux pour me connaître de quoi s'agit-il. Et moi, exprimer également des réserves par rapport à l'initiative, tout simplement parce que Haïti n'est pas consulté. Et est-ce que tu as compris de position publique sous ça pour moi-même comme sujet haïtien, Alphonse. Citoyen haïtien? Pardonnez-moi une seconde, oui, Excellence. Pour me connaître, voici la position de mon gouvernement par rapport à des sorties de chefs d'État de la région qui a constitué une alliance et qui mandé la communauté internationale pour le faire GFO pour le pacifier Haïti. Est-ce que moi-même, comme écoutez, citoyen, tu es pas là avec moi? Oui. Par exemple, avec le Novelliste, oui. Par exemple, les gains ou rencontres qui t'a fait Colombie sur la question haïtienne, j'ai été contacté par le Novelliste. Et moi-même, moi, j'ai dit, journaliste, que nous ne sommes pas au courant, nous n'étions pas invités à cette rencontre. Et nous exprimer, réserve-nous dans le journal. L'article est là. Okay. C'est un article qui a été écrit par Patrick Saint-Pré, je crois. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, oui, nous avions exprimé, dans une certaine mesure, un désaccord. Hein? Mais les négociations et pas et des bagages qu'on toujours, vous voyez, public dans la mesure où on va chercher la compréhension, n'est-ce pas, et de l'autre ministre sous question ça. Et moi, je pense que nous faisons un travail assez intéressant dans la mesure où on montre que on pas capable réfléchir sur Haïti sans Haïti les mêmes pas consulter. Sous question sécurité, est-ce qu'on croit que Twitter c'était le meilleur canal diplomatique parce que là on a souligné subtilité gagnée et la nécessité d'utiliser des canaux et souvent et la discrétion et à ce niveau qu'on a bons outils. Et Twitter, c'était le bon canal à utiliser sur cette question qui a rapport à la sécurité sur l'île? Il y a un principe fondamental en diplomatie, c'est le principe de réciprocité et parfois réciprocité dans les formes même. Okay. En pile position publique qui prend en République dominicaine sur Haïti, c'est sur Twitter que moi,
D'accord? Mm-hmm. Mais là encore, c'est pas dans l'esprit, ça, uniquement, mais vraiment, et j'étais animé. Allô? Le gouvernement dominicain. Vous êtes là? Oui, nous là, oui. Oui, 5 sur 5. Oui. Je disais que c'est l'idée, l'esprit, c'était d'inviter le gouvernement dominicain pour le travail de commun accord avec le gouvernement haïtien pour nous adresser ce problème qui sévit. Sur les problèmes de l'insécurité, de la criminalité. Donc, c'était dans l'esprit, on était capable d'être sincère, et nous-mêmes, que nous avons fait. Malheureusement, tout l'a interprété par eux-mêmes d'une façon différente de l'esprit, mais nous croyons que, nous toujours croyons ça, il faut que deux gouvernements travaillent ensemble, mais vraiment, dans l'esprit de solidarité sincère. En abord, bon, naturellement, la situation de l'insécurité... La situation de la sécurité entre la République dominicaine et Haïti, c'est deux bagages qui sont totalement différents par rapport à la réponse du pouvoir public. J'ai fait ça t'expliquer au Lila. La République dominicaine, il y a une circulation monde, circulation marchandise, circulation carburant. Et bon, ici, nous-mêmes, nous parlons ça, c'est gang qui a fait la loi. Donc, et deux situations totalement différentes. Maintenant, quid des conséquences? Parce qu'en réalité, appréciation et position qu'on est nécessaire d'exprimer pour la République d'Haïti, M. le chancelier, il y a des conséquences pour des dizaines de milliers d'étudiants haïtiens et pour leurs familles. Où t'es attendu à ça, maintenant que nous sommes devant cette situation qui est préjudiciable pour nos compatriotes, qui ça a chancé de garantir de faire, s'il vous plaît? Moi, je pensais que... Allô? Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Allô? Vous êtes là? Oui, nous la cougna, Où dit, nous pensait que, oui, communication rétablie. Oui, c'est... Oui. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Oh, internet c'est bien là-bas. Allô. Internet maintenant. Oui. C'est une décision qui prend. Oui. Commencez le commencement, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Moi, je pensais que c'est une décision qui prend avec un pile précipitation. Et les étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine, c'est pas de bourse que ils joignent. Ils ont payé étudiants. Et gardez donné yo combien crobent les étudiants dominicains. Haïtien en République dominicaine a payé. Donc, c'est beaucoup de précipitation. Et moi, je pensais que, au nom de la sagesse, la diplomatie dominicaine, en République dominicaine, a révisé cette position. Et comme je disais là tout à l'heure, moi, je pensais que gagné en pile précipitation. Mais ça qui est bien important, je dis, et moi, je voulais laisser comme message. Et le moment est plus qu'opportun et pour nous autres, haïtiens, haïtiennes, pour nous unir. Nous. Parce que qu'il y a une nécessité d'unité entre nous, parce que menace pas seulement là, menace l'autre côté tout, hein, qu'on est un peu le monde capable de constater. Donc, il faut que nous unir nous, pour nous travailler ensemble, pour nous vraiment mettre Haïti à la dimension de son histoire. Et c'est message ça qui est extrêmement important. Pour les protagonistes politiques, bon. Pour différents. Non, communication est coupée encore. Non, on ne dit pas couper, non, là, oui. Monsieur le ministre? Ok, on a dit pas problème. Communication n'a pas de problème. On l'a tourné rapidement, Sans stress, sous 100.9. C'est le ministre, ça fait danger d'acquiescer avec nous, malheureusement, là. Ok. Allô? Oui, monsieur le ministre, oui. Oui, on parle en pile de mettre Haïti à la dimension de son histoire. Pendant la dernière décennie, ça, bon, nous pas. Et pas ça ne règle dit tout, nous, là. Et c'est crasé, et gouvernement successif, yo crasé pays à net. Et bon, là, son monde passe, bon, à yo, pour aller me faire out là, là. L'on prend Gérald Bataille, ou descend, ou taille, ou pour. Et Fatra, Klessin, bon, c'est comme si nous bilier histoire pays, et puis nous faisons l'obéi pendant un paquet de temps. Petit Mounio, c'est obligé dans le voisin, il y a pas l'université. Mais finalement, qui est-ce que nous avons gardé Figi dans la glace pour nous suspendre faire l'obéi?
qui fait et nous pas obligé un niveau de vulnérabilité ça pour moun les onévé avec gouvernement nous pour dire pour camper bous y a camper et visa pardon y a camper si y a camper ça qui le chef y a garde tête dans glace pour dire monsieur garde dans qui tente dans la Haïti monsieur ou quoi est nécessaire pour chef faire ça. Moi, je crois que c'est nécessaire pour nous travailler ensemble d'abord en Haïti. Je crois que c'est nécessaire pour nous vraiment pratiquer le vivre ensemble. Je crois que c'est nécessaire pour nous unir, pour nous capables de mettre Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Deux dernières questions, on a fini rapidement. Nous songeons lorsque vous êtes Premier ministre. Avant ça, je vais demander qui prochaine étape. Est-ce que nous avons appelé l'ambassadeur haïtien qui est en République dominicaine? Est-ce que nous avons une lettre ou bien une visite de l'autorité haïtienne en République dominicaine pour aller tenter de résoudre la situation, monsieur le ministre? Bon côté, moi-même, moi, pourquoi ouais, gagner un conflit entre deux pays frères, voisins, République dominicaine et Haïti, dans la mesure où moi-même, moi surpris que on appelle et qui c'est une invitation à travailler ensemble et deux gouvernements yo capables de faire autorité dominicaine nous t'a fâché. Donc on peut comprendre ça parce que moi-même, même gens avec Abinadel, nous avons une dynamique d'une diplomatie insulaire et solidaire. Donc je suis dans la solidarité. Et hier, il y a un major dominicain qui est assassiné, et c'est regrettable. Et face à la situation, ça y est, dans l'esprit de solidarité, nous ne sommes pas capables de rester sans nous pas prononcer nous. Même Jean, République dominicaine, à plusieurs reprises, exprimé solidarité. Oui, de manière spécifique, vous pas dire, est-ce que vous avez l'ambassadeur, est-ce que vous avez une visite, est-ce que vous avez une lettre, ça a changé le faire concrètement? Ambassadeur est déjà consulté et moi parlé avec lui plusieurs reprises sous question ça. Donc, n'a étudié qui meilleure et formule pour nous utiliser dans le contexte ça. Okay. Maintenant, okay. Si on rappelle, c'est tout simplement un rappel pour consultation. Ok, avant dernière question, sur la situation américaine et qui kidnappé dans le pays, je vais me chercher à réagir sur ça. Et vous m'avez posé la dernière question. Non, mais oui, depuis le 16 octobre, nous avons 16 ressortissants américains et ressortissants canadiens qui kidnappé par gang Katsa Marozo. Il y a plusieurs sorties qui fait de la part du gouvernement américain et sur ça. Et nous-mêmes, bon côté haïtien, pratiquement, nous n'avons pas de nous parler sur ça. Et quelle situation est kidnappé ça, nous avons parlé là, monsieur le ministre? Bon, écoutez, étant donné sensibilité, nous sommes capables de dire question ça, moi, toujours réservé pour moi et parler sous lit en public. Okay. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que la police nationale, d'abord, le gouvernement est très préoccupé, n'est-ce pas? Mais je sais que la police nationale, TCPJ, y a travail avec, nous sommes capables de dire, de l'autre, des autres instances, FBI par exemple, pour allô, nous entendez? Oui, nous entendez très bien. Oui, oui. Oui, donc pour nous capables, je nous dénouement heureux à cette situation. Okay. Parce que, Jean Doulala, nous sommes préoccupés. Mm-hmm. L'autre Premier ministre, vous avez lancé un appel pour les États-Unis, vous envoyé des troupes pour aider nous. Et dans qui point nous par rapport à ça, monsieur le ministre? Écoutez, nous croyons que je dis à lui important pour nous grand support des États-Unis pour aider nous à adresser le problème de l'insécurité. Donc, cette position est toujours maintenue, à savoir un support à notre armée, un support à la police nationale. Donc, moins Washington présentement, gagner tout un plaidoyer, n'est-ce pas, qu'a fait autour de cette question de l'insécurité en Haïti. Donc, moi, je crois que c'est important pour nous joindre de support, okay, n'est-ce pas, et pour
nous adresser problème ça. OK, dernière question, question auditeur où insister sur cas colonel ça a tué dans la République dominicaine et yo tué un président la Kaili. Et ça dit nous qui ça? Écoutez, ça dit en pile bagaille et c'est pas une comparaison et non sens qui négative. L'aime parler de tué on écoutez la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. C'est pas en comparaison négative, au contraire, nous exprimons solidarité non et sympathie non à famille avec pays à même. Maintenant, en ce qui a trait, merci parce que vous posez une question ça. Il y a une raison qui fait Washington et il y a une raison qui fait que ça fait un bon bout de temps mon croisade internationale, c'est la recherche, n'est-ce pas, de coopération entre aides judiciaires pour président Jovenel Moïse capable de justice. Moi j'étais en Italie récemment dans le 10e congrès Italie Amérique latine et Caraïbes et j'ai rencontré personnellement la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque madame Johnson Smith, Camina Johnson Smith. J'ai rencontré également et la vice présidente et à la fois ministre des Affaires étrangères de la Colombie autour de une dernière évolution qui gagnait dans enquête sur assassinat président. C'est-à-dire que avec arrestation Mario Palacios et Jamaïque, nous déjà voyez documents aller et Jamaïque pour être capable de transférer Palacios qui c'est une principale suspecte qui a assassiné président. Nous faire démarche là, ça veut dire nous a transféré. C'est une démarche et mon capable de constante n'a travail avec la Jamaïque, d'après avec Colombie, nous avons vraiment espéré que, puisque crime ça a, les gagnent une dimension transnationale, donc il est évident que une coopération internationale a permettre que nous aller bien loin dans l'enquête là. Okay. Donc c'est peut-être ça, parce que les fondamental pour moi, comme ministre. Totalement. Merci parce que vous avez dit ça. Lors tourner dans le conseil des ministres, ministre intérieur, monde qui occupe d'assainissement, travaux publics, tout le monde ça. Dis s'il vous plaît, et marcher sous fatra, tout côté, pour occuper partie ça pour nous. On est bien content. M'a fait un message à passer, mais pas de doute que le ministre attendait. Et attendez panel magique matin. Merci un pile. Merci chancelier. Passons bonne journée. Merci. Au plaisir d'être c'est moi pour remercier non merci. Passons bonne journée. Mesdames et messieurs, nous t'attendez ministre Affaires étrangères Claude Joseph qui t'a parlé. Il parlait, m'espérait que nous comprenne. J'ai comme t'ai dit dans plusieurs vidéos que m't'ai fait, notamment ça que m't'ai publié hier là. Claude Joseph pas dit rien qui compliqué. Et pas dit rien que le pas doit dire. Lidios recadré président dominicain hein, qui a fait fréquent. Ok? Lidios recadré. Mais encore une fois, j'ai souvent dit, dans toute vidéo mio, oui, recadré. Mais pas j'oublie, nous avons effort pour nous faire tout pour la caille. Nous ranger. Nous avons apparence que nous honnête à tête. Parce que l'inadmissible dans l'État. Dans le pays, ou bien nourrir le pays, pour ces ISO, ces tilapli, ces barbecue, ces l'homme sans jour, avec un bon lot chef de gang qui a fait l'appui le potent, à tel point, même au minimum, nous pas capable de bailler la population, mais obligé, rester, fermer la cali parce que tout simplement le pays. Inadmissible. Donc, il faut que nous fassions un effort pour côté là, bon côté pas non. OK? Mais pas parce que nous avons été ça pour que Abinadel pense le cas, le cas a brancé toute la cette journée sous nos pays d'Haïti. OK. Abinadel parlait jeudi. C'est un article qui a été écrit. Abinadel parlait jeudi. Mais bien avant que nous parlions de Abinadel, nous avons dit que il y a un pile autorité dans Saint-Domingue qui supportait Abinadel dans des machines. Yeah, par exemple, président chambre député dominicain, hein, Alfredo Pacheco, qui fait connaître que lui supportait
en tout cas décision que Abinadel prend dans dernier temps ça yo pour protéger selon ça le dit peuple dominicain. Li mandé pour gouvernement dominicain prend toute disposition pour que si zimpété dans pays d'Haïti yo gen contrôle tout dominicain qui dans pays d'Haïti pour capable rapatrier. Il mettait accent notamment sous diplomate dominicain dans le pays d'Haïti. Il demandait Luis Abinadel encore une fois prend toute décision pour que yo protéger dominicain qui en Haïti, il parlait de pile dominicain que kidnappé dans le pays d'Haïti, malheureusement ça pas fait bruit parce que c'est pas des Américains, etc., etc. Et puis lui demandait pour Abinadel prend décision tout pour accélérer clôture que t'as mis sous frontière pour t'empêcher que haïtiens rentrent n'importe comment en République dominicaine. Rien, monsieur déclarait que République dominicaine pas qu'à ne rester bois croisé face à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bref, ça c'est président chambre députée hein, en République dominicaine. Il y a président sénat tout en République dominicaine qui parlait. Li abordé pratiquement dans le même sens là. Il a supporté Luis Abinadel dans ça que l'a fait là, qui a rapport avec le pays d'Haïti. Luis Abinadel, bon côté parle. Il parlait aujourd'hui, hein, concernant étudiants, il expliquait justement que il doit protéger pays là pendant que l'a vérifié tout le monde qui a entré sous territoire. Il parlait pour une série de gangs profiter et puis utiliser question étudiant pour entrer en République dominicaine. Il fait qu'on est que raison suspension indéfinie programme visa spécial pour étudiants haïtiens yo prend parce que tout simplement yo voulait vérifier que tout monde cap entrer en République dominicaine et ben moun sa yo purifié, yo vérifié que moun sa yo pa gen rien pour avec une série de activités criminelles qu'a fait dans pays d'Haïti. Il fait qu'on est si Haïti lui-même pas vérifié, pas gen aucun contrôle sous ressortissant yo, avec yo même en République dominicaine, yo supposé fait tout ça que yo capable pour protéger peuple dominicain. Il fait qu'on est décision hein, c'est que pas gen renouvellement automatique pour étudier dans le pays d'Haïti et en République dominicaine. Parce que il doit vérifier, parce que il doit protéger pays là, et pour protéger pays là, il faut qu'il vérifie que pas de pièces gang qui sont dans le pays d'Haïti qui sont entrées en République dominicaine, surtout si là où qu'il y a avec une série de secteurs qui n'est pas trop clair dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Et le fait qu'on est, monsieur tellement dérespectant, monsieur fait qu'on est, dans le jour qu'il vient là, il pral organiser une conférence spéciale pour parler uniquement de Haïti. Est-ce que vous entendez? C'est ça, Abinadel, lui-même, déclare. Et puis, il est formé que Ariel Henry, Terelil, yo parlé, Ariel Henry dit comme ça, que il voulait pour que Haïti avec République dominicaine gagne une meilleure relation. Concernant la question de sécurité, journaliste a posé la question, monsieur fait qu'on est. OK, journaliste rappelé que Haïti son partenaire économique extrêmement important pour la République dominicaine, et monsieur fait qu'on est s'il gagne pour le choisir entre une décision qui a rapport avec commerce et une autre décision qui a rapport avec sécurité, ben la sécurité de son peuple passera avant tout. Donc, la quitté question économique de côté. La première question sécuritaire. C'est ça le dit. Malgré nous, avons toujours posé nos questions, est-ce que justement, le capable de faire ça? Il parlait de marché binationaux, marché haïtiano-dominicain, et que l'ité, nous songez, c'était un gros problème. Et puis, il était autorisé, ou bien, autorité de pays, il était joué de façon là pour être capable d'ouvrir le marché. Il fait connaître, si bagayo ta dégénéré, eh ben, il n'y a pas aucun problème pour que li ta fermé marché encore, mesdames et messieurs, parce que, encore une fois, si on décision qui peut prendre, c'est sécurité pays là que la mette avant toute l'autre bagaille.
Parce que responsabilité, c'est protéger le peuple dominicain. Hein? Et il fait qu'on est pour raison ça. Yo a continué et déployer moun sous frontière pour que yo capable protéger frontière. Et il fait qu'on est et service de renseignement République dominicaine yo a travaillé et que toute bagaille a sous contrôle. Et puis le fait qu'on est, si toutefois bagaille ta dégénéré entre Haïti avec République dominicaine, eh bien yo même en République dominicaine yo pas de trop problème parce que yo presque pas acheté rien dans même pays d'Haïti. Est-ce que attendez, c'est ça le fait qu'on est. Ça veut dire c'est ça l'a dit dans diplomatie à gon façon pour yo respecter au fond au moins gon force. Yo presque pas acheté grand chose dans mais nous c'est ça de, et ça les habitants del fait qu'on est, mais nous même presque tout ça qu'on a pas acheté c'est dans meilleur. Parce que tout simplement, nous avons un groupe dans le pays d'Haïti et commerçants, les nègres les bourgeois, mais c'est des nègres qui ont acheté les ventes, etc. C'est des nègres, côté ça, bon pour c'est là. Et ça fait, aujourd'hui, vente haïtien, la gué dans le Dominique, comme ça, qui fait que Luis Abinadel a fait fréquent, genre que l'a fait fréquent aujourd'hui. Bref, c'est en gros ça, et Abinadel déclaré aujourd'hui. Est-ce que encore une fois yo au courant que Zim pral pété dans pays d'Haïti, nous pas connaît. Nous vraiment pas connaît, mais ça cap fini yo, ça annoncé yo, yo pas joli du tout, du tout, du tout. Par exemple, gagne Jimmy Cherizier alias Barbecue qui a annoncé jodi a là, dans jou cap vinn là yo, li pral marcher prend Ariel Henry. Comment le pral fèl? Nous pas connaît. Mais Jimmy Cherizier annoncé à la couleur des âmes. On va me se rendre fèl. Petite, bon Dieu, je vous aime, à bientôt pour une autre vidéo d'information. Allez!